Salut tout le monde, c'est Reptilina, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un tutoriel pour l'incubation. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un incubateur soi-même et ensuite comment bien organiser les boîtes d'incubation pour incuber en toute sécurité. Donc pour l'incubateur, il vous faudra une boîte en polystyrène. Donc en fait, c'est le genre de boîte en polystyrène qu'il y a dans les animaleries. Donc en général, vous pouvez demander la boîte dans les animaleries, ils vous la donnent. Ou alors, si vous la vendez, ce sera pas plus de 2 euros. Donc voilà, on prend une assez grosse quand même. Voilà, ensuite, vous aurez besoin d'un câble chauffant ou d'un tapis chauffant. D'un wattage assez quand même important pour qu'il puisse chauffer à 32 degrés au maximum. Voilà, donc celui-là c'est un câble 80 watts. Donc pour la mise en place du câble, vous allez mettre votre câble en serpentin comme ceci sur le couvercle. Donc là je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas encore préparé mon incubateur et j'attends de recevoir un nouveau câble. Donc voilà, en fait vous allez faire une fente à partir d'ici, donc pour pouvoir passer le câble et les fils de la sonde par ici. Et donc en fait vous allez avec un cutter creuser légèrement pour faire un serpentin. Ensuite vous allez mettre votre câble donc dans les fentes, et moi ce que je fais c'est que je sécurise avec du scotch type scotch de déménagement là, ou du Chatterton, enfin un scotch qui tient bien, parce qu'étant donné que ça va chauffer, faut pas un scotch d'écolier quoi. Donc voilà, donc pour voir l'intérieur quand même c'est assez profond. Alors pour l'incubateur, il vous faudra un thermostat. Donc un thermostat basique. Hein, moi le thermostat que je vais utiliser, c'est... Donc voilà, c'est un thermostat qu'on m'a donné. Alors je ne sais pas du tout la marque. Je ne sais pas du tout. Il me semble pas que ce soit... Oh, attendez. Hydro7. Enfin voilà, donc là vous avez les températures. Donc vous les mettez suivant ce que vous voulez avoir. Et pour ce genre de thermostat, étant donné que c'est un thermostat qui n'est pas digital, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un thermomètre digital aussi avec, et de mettre la sonde à côté de celle du thermostat pour avoir une bonne température, pour être sûr que ce soit bon. Voilà, donc ça. Et puis maintenant, je vais vous montrer comment organiser les boîtes d'incubation. Alors, pour préparer une boîte d'incubation, il va vous falloir plusieurs choses. Donc déjà, une boîte. Donc une boîte hermétique. Celle-ci, je l'ai eue dans une boucherie. Un gobelet en plastique, donc que vous séparez en deux, enfin que vous coupez en deux. Voilà. Il vous faut aussi un vaporisateur manuel. Le substrat d'incubation, donc ici c'est de la perlite, donc vous pouvez utiliser un mélange de perlite vermiculite, perlite tout court, vermiculite tout court, ou de la fibre de coco. Alors il vous faudra aussi une calculatrice, voilà, en l'occurrence c'est mon téléphone, et une balance. Voilà, ça c'est une balance que j'ai acheté à Foirefouille, je crois, qui fait très bien. Donc vous allez allumer votre balance. Voilà, vous allez prendre votre boîte d'incubation. Voilà, vous allez faire la tare.
Ensuite, vous allez remplir votre boîte d'incubation à peu près à moitié. Voilà, donc à peu près ici, là. Voilà, je l'ai rempli à peu près de moitié, donc ça fait 25 grammes. Alors, pour savoir le poids d'eau à mettre dans la boîte d'incubation, il va falloir faire un calcul. Donc, c'est-à-dire, vous allez prendre le poids donc de la vermiculite, de la perlite, pardon, et vous allez le multiplier par 0,8. Donc, avec la calculette, 0,8, donc 25 fois 0,8, ça fait 20. Donc là maintenant vous allez ajouter ce poids au poids de la perlite, c'est-à-dire 20 plus 25, 45. Donc il faut que la boîte fasse 45. Alors vous allez pulvériser jusqu'à ce que la boîte fasse 45 grammes. Donc voilà, le poids total de la boîte fait 45 grammes. Donc ce que vous allez faire maintenant, vous allez prendre vos œufs, vous allez légèrement gratter, donc à l'intérieur ici. Donc si vous en avez deux, vous grattez deux fois. Vous déposez vos œufs donc là où vous avez gratté, puis ensuite vous les recouvrez délicatement. Voilà, malheureusement j'ai pas d'œuf encore, je peux pas vous montrer. Et une fois que vous avez terminé donc de mettre les œufs et de les enfouir dans le substrat, ça va les stabiliser, donc ça évitera qu'ils se retournent. Et ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez prendre donc un demi gobelet en plastique que vous allez poser par-dessus les œufs, pour éviter qu'il y ait des gouttes de condensation qui tombent sur les œufs et que ça les fasse pourrir. Voilà. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous refermez la boîte hermétiquement, j'ai des bugs. Voilà. Et ensuite, vous déposez votre boîte dans l'incubateur au fond. Vous pouvez ensuite entreposer les boîtes les unes sur les autres dans l'incubateur, à condition que la boîte du dessus ne touche pas le fil chauffant. Donc voilà, après vous, suivant les grosseurs des boîtes, vous pouvez mettre plusieurs portées à l'intérieur. Après c'est à vous de choisir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir appris quelques petits trucs. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me les poser par email ou sur la vidéo. Merci aux personnes qui se sont abonnées encore récemment et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!